Yop, yop les amis, c'est Blitché. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Uncharted 4. Et donc, c'est le Let's Play, toujours, donc l'épisode 4. Et donc, la dernière fois, je me suis arrêté ici, dans cette cellule miteuse. Et je vous retrouve ici, dans cette cellule miteuse. Donc, on reprend exactement là où je me suis arrêté la dernière fois. Donc, c'est parti. Donc, on doit s'évader apparemment, avec le frère de Nathan. Salut les mecs, désolé, je dois vous laisser ici. Je suis désolé, je ne peux pas vous prendre avec moi, il n'y a pas de place. Bien sûr, moi aussi, pareil, j'ai préparé ça depuis un bail. Oh les gars, ils ont pris cher. Oh putain, alors lui il est à terre. Et lui, bah lui aussi il a pris cher. Je pense pas que c'est l'alcool qui a fait ça. Hein. Bon, lui il rigole pas apparemment. Non, le tue pas. Oh shit! Ok, bon bah quand ça c'est clair. Merci, mais donne-moi. Ok, le mec il est obligé de faire le tour du mec pour prendre une main quoi. Oui, je m'en souviens. Pas de soucis, je m'en souviens parfaitement. Tu vas déclencher une énorme émeute. Exactement. À Ganlow. Ok, donc ça va être la guerre alors. Si tous les prisonniers sont dehors, ça va être la guerre. Ça va être la guerre. D'accord, donc il a pris cher. J'ai même pas eu le temps de tirer. Tiens! Hop, munitions. On prend tout, on prend tout. Hop là, on se planque. Oh merde, il s'est barré. Putain, mec. Oh, les gars, vous avez des mitrailleuses, bordel. Vous devez les buter normalement. Oh, le mec, comme il est tombé. Je rêve, c'est un record. Ouais, aïe, aïe, je prends cher. Il y a deux gars là-haut, là. Ok, bon, ils les ont butés. J'ai rien à faire. Enfin, depuis tout à l'heure, je fais pas grand-chose en fait. Putain, ils sont en train de démonter un garde. Wow, wow, wow. Putain, lâche-moi, lâche-moi. Merci mon pote. Oh merci. Attendez, alors les deux là-haut là. Ouais, comment je l'ai eu. À la rage, mais je l'ai eu. Liberté, liberté. Oh bah ça je prends ça. Bah oui, c'est mieux ça. Ouais, c'est mieux. Bon, et maintenant, estamos en position. Están listos? Sí. Busquen donde cubrirse. Stylé l'arme, j'aime bien. Ouais, vas-y, je me mets à couvert. Qu'est-ce qui va se passer? Ok. Ah, ça plaisante pas ici, hein. Ok, le mec s'est sacrifié, quoi. Oh, super. Allez, hop, on court. Wow, what? What, what? Tiens, j'ai vu qu'il y avait une arme derrière. On va la prendre. Où est-ce que vous êtes partis, les gars? Wow! Vite, vite, on se tape, on se tape, on se tape, on se tape, on se tape. Wow, merci, mon gars. Putain, mais c'est mon mal gardien, le type, quoi. Putain, tu t'es pété la gueule. Wow, 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 wow. Tiens. Hop là. Ah, elle fait mal cette arme. T'as les armes, j'aime bien les armes dans ce jeu là. Tu ressens bien l'impact quoi. On sent qu'ils sont puissantes. Hein. J'aime bien le bruit de ça. L'utilisation, c'est vraiment stylé. C'est vraiment stylé. Planque-toi mon gars, s'il te plaît. Parce que sinon il va t'arriver des malheurs. Hop là. Voilà. Putain, le mec c'est Spider-Man quoi, le saut qu'il m'a fait.
des munitions, vite. Samuel, on récupère tout ça. Bon, apparemment, je suis plein. Ah oh, putain, attention, il va encore faire péter la gueule, les mecs. Ouais, c'est bon, je suis là. Oh shit! C'est bien d'où? Hop, je me concentre un peu les amis. Oh là là, c'est chaud là. Je vais m'écarter parce que là, je prends trop cher. Merde, j'ai pas de balles dans cette arme. Oh, tant pis, on va viser les têtes, hein. Je suis en galère. Tiens. Hop là. Planque-toi. Je vais chercher des munitions parce que... Voilà. Oh mais putain, quel con. Waouh, malade. T'as un ouf, lui. Ah mais attends, moi je veux cette arme, elle est plus puissante. Bien joué les gars, vous avez tout pensé, la pince coupante et tout. Au calme. Oula putain. Aïe aïe. Tu vas te calmer toi. Bim. Qu'est-ce qui s'est passé? Oh yeah. Il y a du spectacle. Il y a du spectacle les potos. Les poteaux, je parle comme un con, les poteaux. Yeah, ça pète de partout mon gars, mais le mec il doit plus un tympan, je te jure. C'est abusé. What? Qu'est-ce qui se passe? Sérieusement? Non, mais c'est quoi ce délire? D'accord, j'ai pas compris. Bon bah apparemment faut sauter, hein. On va sauter, hein. Allez, on saute, hein, si c'est comme ça. Ok. Allez vite, on saute, parce qu'apparemment il y a des gars qui arrivent dans le dos. Allez vite. Allez, escalade. Yeah. YOLO. On se barre. Putain, ça c'est de l'évasion, mon gars. Ça c'est de l'évasion. Ah, petite cinématique. À quoi? Tiens, Samuel, de l'eau. Oh non, non, je vais bien. Je vais même beaucoup mieux que bien. Tiens, t'es déshydraté. Allez, bois un peu. C'est gentil. Alors, qu'est-ce que va faire Samuel Drake maintenant? C'est vrai, qu'est-ce que je vais faire? Je vais déjà prendre un bain, dormir dans un vrai lit, trouver un corps bien chaud pour dormir à côté de moi, retrouver mon frère. Je crois que ce sera un bon début. Oui, c'est vrai. Et donc, combien de temps tu penses qu'il va te falloir pour mettre la main sur le trésor d'Avry? C'est difficile à dire. Il faudrait que je retourne aux States pour reprendre mes recherches. Combien de temps? Je saurais pas tant que j'aurais pas commencé. Je croyais que tu savais où il était. Oui, je sais, à peu près. Mais... En fait, tu vois, c'est... C'est pas comme si Avery avait laissé une carte avec une grosse croix rouge dessus, mais j'ai quand même des pistes solides.
Oh, d'accord. Attends. Non, attends. Non. Hey, doucement. Tu sais que je t'aime bien. Mais ce qui compte le plus, c'est que je t'ai cru. Et c'est pour ça qu'on est là. Écoute, je peux le retrouver, d'accord? Il me faut juste un peu de temps. Dame et un cuchillo. Tu vois, le problème, c'est que... je commence vraiment à me demander si j'ai bien fait. Hector, il faut que tu me crois. Je vais le retrouver. Je te le promets. Non ! Combien de temps ? 6 mois. Les gens sont fainéants. Il faut toujours qu'ils demandent plus de temps qu'ils en ont besoin. T'as 3 mois. 3 mois, mais c'est impossible. 3 mois. La moitié du trésor. Je peux compter sur toi. Dis-le. 3 mois, la moitié du trésor. Bien. Si tu t'enfuis, ou t'essaies de cacher le trésor, ou que tu tentes quelque chose de vraiment stupide comme avertir les flics, je le saurai. Et quand tu t'y attendras le moins, je serai là. À ce moment-là, je te ferai pas le cadeau de te donner la mort. Tiens. Allez, lève-toi. La ville la plus proche est à 10 km dans cette direction, vers le soleil levant. Ça fait un bail qu'on n'a pas vu le soleil se lever dehors, hein? Vamos! Et quand je l'aurai trouvé? Je fais quoi? T'en fais pas. Quand le moment viendra, je viendrai chercher ma part. Buena suerte, Samuel! Donc, Alcazar m'a laissé mettre les poules. Et voilà. Je le sens mal. Non, il faut juste qu'on prenne la piste là où on l'a laissée. Quelle piste? Arrête, il n'y a plus aucune piste. Après notre fuite, Rafe a utilisé la fortune de ses parents pour acheter des terres autour de la cathédrale Saint-Dismas. On a passé la zone au peigne fin. Le trésor d'Avrin ne s'y trouve pas. Mais Rafe n'a pas baissé les bras. Cet abruti continue de creuser depuis des années alors qu'il n'y a rien là-bas. C'est pas une grosse surprise. De quoi tu parles? Il se trouve que, tu sais, moi aussi j'ai un peu creusé dans mon coin. Et... je te parie que Rafe n'a pas trouvé ça. C'est fou ce qu'on peut trouver sur Internet de nos jours. C'est juste la croix de Saint-Dismas. T'en es sûr? Parce que la croix qu'on a trouvée était brisée et creuse, il me semble. Raison, celle-ci est toujours intacte. Avery avait fabriqué plusieurs croix. Donc ce qui manquait dans celle qu'on a trouvée au Panama se trouve encore très certainement dans celle-là. C'est incroyable. Où est-ce qu'elle est? Oh, alors, cette magnifique pièce sera vendue aux enchères dans 3 jours au domaine Rossi. Au domaine Rossi? Ah, tu connais. Bah ouais. Et je peux savoir comment tu comptes mettre la main sur une invitation à ces enchères clandestines, ultra prisées et sécurisées? Bah, je me dis qu'on n'a pas forcément besoin d'être invité officiellement. Ah, ouais. Et où tu comptes te procurer assez d'argent pour acheter la croix? Même en prenant une deuxième hypothèque sur ma maison, on sera encore loin du compte pour... Ok. Tu vas essayer de la voler, c'est ça? Non. On va la voler. Oh non. Non, Sam, désolé, je peux pas. Je fais plus ça. Quoi? Non, sérieux, non, je tombe plus dans ce genre de combine, c'est tout. En plus, il y a un tas d'autres mecs qui sont vachement mieux équipés que moi pour faire ce genre de truc. Comme qui? Je sais pas, moi. Putain. N'importe qui, Charlie Cutter. Non. Mais si, non, c'est lui non, que j'irai non, voir non, pour non, un coup comme ça. Rêve. Il n'est pas question que je mette ma vie entre les mains de Charlie ou de n'importe quel autre mec de ton répertoire. Tu piges? C'est de toi dont j'ai besoin. Mais merde, il y a forcément un autre moyen. Pas en si peu de temps, non.
Et pas face à Alcazar. Chérie, c'est moi. Écoute, tu vas vraiment pas en croire tes oreilles. Jameson vient de passer, on a les autorisations. Ouais. Je sais, c'est une sacrée surprise, mais... je crois que je vais finalement accepter ce job en Malaisie. Tu vois quelque chose? Rien qu'une bande de criminels de luxe sur leur 31 qui se la raconte. Et je vois toujours pas notre ami Sullivan. On a encore largement le temps. De ce que je vois, ils stockent les œuvres dans le bâtiment qui se trouve derrière le manoir. Tu le vois de là où t'es? Ouais, mais alors juste le sommet. Je me demande ce qu'ils peuvent bien planquer là-dedans. On va se concentrer sur la croix d'Avry, ok? Des trésors. Tu veux pas qu'on rapporte quelque chose à ta femme? C'est sympa. Allons à l'essentiel. Ok, on va faire ça. Ce serait beaucoup plus simple si on était que tous les deux. Sam... Mais on serait déjà à l'intérieur. Dans quelles conditions? J'espère au moins que t'as pensé à mettre au point un plan B au cas où Sullivan se dégonflerait. Non, parce que j'ai confiance en lui. Et s'il se faisait prendre? Sam... il connaît les gens qui organisent les enchères. Il va s'infiltrer dans cette petite fête, monter à l'étage, déverrouiller la fenêtre et on sera dedans. C'est un super bon plan. Bon, ça suffit. Vas-y, dis-le. Comment être sûr qu'il va pas garder la croix? Non, il ferait jamais un truc pareil. Victor Sullivan, t'es sûr qu'on parle bien du même Victor? Oui, je sais qu'il a déjà doublé des gens, mais il nous ferait jamais ça. Non, peut-être pas à toi. Je sais que ça a toujours été compliqué entre vous deux. T'es en dessous de mais, la vérité. Mais je lui fais confiance, ok? C'est ma famille. Attends, ah. Non. Écoute, je veux que tu lui fasses confiance, toi aussi. D'accord. Il va assurer, je te dis. Il va assurer. Mais bon, faudrait quand même que tu réfléchisses une seconde à l'éventuelle probabilité. Là. Que... tu vois? La confiance. Essaie de pas salir ton smoking. Merci. Ok, donc on va pouvoir jouer enfin. Donc c'est parti les potos, allez hop. Donc voleur un jour. D'accord, donc on est en mode smoking en dessous, donc petite combinaison bien dégueulasse, ça va. J'arrive pas à croire que je suis ici, avec toi. En Italie. Balade en pleine nature, c'est magnifique. YOLO! C'est sûr. La vue est plus sympa de ce côté. Où est-ce que t'es? Ah, t'es pas en bas comme ça, mon gars. Non, ça doit faire là. Donc les cinématiques sont très longues, c'est un film, le bordel. C'est captivant. J'adore. C'est plus un film qu'un jeu, à la limite. Qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi tu t'arrêtes? Oh, regardez-moi ça, comme c'est joli, ce décor, ce paysage, magnifique. Regarde, il y a bien cette poutre là en dessous. Tu peux l'atteindre avec la corde? C'est à moi que tu poses la question. Vise un peu ça. Regarde, vise un peu ça, mon pote. Il me prend encore pour un gosse, celui-là. Bon, ok. Bah, j'ai raté. Bah, tu vois, tout est dans le poignet. Voilà. Ça tient ou pas? Attends, c'est pour aller où? On y va. Oh. Ok, donc quand elle est tendue, d'accord, ok. Donc là... alors on refait un petit tour. YOLO. Oh. YOLO. Ah, putain. Bien sûr que je suis un pro, mon gars, tu m'as pris pour qui?
Ok, donc là... Ok, donc réfléchissons. Voilà, nickel. Et donc là, apparemment on peut aller là. Enfin, je pense. Je suis en train de me planter ou quoi là, totalement. Mais non, regardez, voilà. Ok, c'est parti. Du premier coup. Arrête un peu de te la raconter. Ok, le mec. Okay. Comment t'as fait? Allez, Nathan. À mon avis, si tu descends, tu seras beaucoup mieux placé. C'est bon, j'arrive. Ok. Allez, hop. Olé. Ah. Bon, faut reconnaître, mon frère est plus blessé que moi, apparemment. Parce qu'il a trouvé direct le chemin. Attendez. Voilà, on se balance. Allez, dégage. Tu montes ou quoi là? Tu veux de l'aide? D'accord. Il y a quelqu'un. Oula, ils sont lourdement, mais c'est de là. Hein. Inghilterra, traditore. Ehi, non confondere l'orgoglio nazionale con la realtà. Ok, c'est bon. Non, mais c'est pas vrai, t'as vu ce type? Il est armé jusqu'au dents, cet enfoiré. On aurait dû prendre des flingues. On va gérer ça. Ouais, on aurait dû prendre des flingues, ouais. J'espère que t'as raison. Ah, des pommes. Ah non, c'est pas des pommes. C'est des citrons. Gros fail. On t'avance ou tu veux de l'aide? Bordel. Voilà notre fenêtre. On descend? Allez, viens. Suis-moi. Pourquoi? Ça sert à quoi? Ça devrait tenir. Ah, d'accord. Ok, allez, YOLO. Wouh! Oh mais non! Oh mais genre! Mais non, c'est abusé! Genre je suis mort. D'accord. On va descendre un petit peu là. Allez hop, on prend de l'élan. On prend de l'élan. Allez, allez, allez. Wow. Oui, nickel, ça passe. Voilà. Donc je pense qu'il faut passer par là. Je pense que c'est pas là pour rien, ça. Bon, si en fait... On peut passer par là ou pas? Non, on peut pas passer par là. Bon, attends, moi j'arrive. Où est-ce que tu vas? Tu vas où, mon gars? Ah, ok, c'est bon, j'ai compris. Il faut passer par là. Allez, hop, allez. Ah. Yep. On se décale un peu. Allez, un petit coup de balance. À la 1, à la 2, et à la 3. Ah, oh putain, j'ai failli tomber. J'ai failli me bicher. Allez. Par là, ça a l'air pas mal. Ça a l'air carrément dangereux. Putain, c'est Assassin's Creed ce jeu, c'est dingue. Oh putain, c'est chaud. Faut pas avoir peur, mon gars, moi je te le dis. Hein. Ouais, ça va. Allez. On se balance.
Yo. Ok. Donc là, qu'est-ce qu'il faut faire? D'accord. Ouais, ouais, je sais. Mais je rate jamais. Tu me lances la corde après? Merci, mon gars. Hop là. Allez. Putain, le mec, il a de la force dans les bras quand même. Parce que pour faire ça, ça doit être super chaud. Merci, mon frère. Ça y est, merci. Nathan? Nathan? Mais quoi? Yeah, beau gosse. Beau gosse et frérot. De quoi j'ai l'air? D'un mec qui va gagner 400 millions. Allez, viens. Vas-y, je suis juste derrière toi. Sully? Tu sais ce que j'aime dans les fêtes organisées chez les escrocs? Dis-moi. Tout le monde s'en fiche que tu fumes à l'intérieur. Ça fait un bail. Ah, trop longtemps, mon gars. Tu te souviens de mon frère, le Maccabé? Victor. C'est pas croyable. 15 longues années. Ouais. Content de t'avoir en vie, Sam. Essayons de le garder en vie en récupérant cette croix, ok? Ouais. À ce propos. Quoi? Comment ça, à ce propos? Mais j'ai un truc à vous montrer. Regardez. C'est la croix d'Avry. Ah, ils l'ont sorti à peine quelques minutes avant votre arrivée. Ils ont dû changer l'ordre des lots. Il faut un sacré paquet de fric pour faire ça. Combien de temps il reste avant le début des enchères? 10 ou 15 minutes, maxi. Il y a forcément un moyen de la récupérer. Le seul petit problème, c'est qu'on a une centaine de témoins, c'est tout. Ok, ok. Mais on a juste besoin d'une diversion. Genre, j'en sais rien du tout. Mais il doit bien y avoir un truc. Si jamais les gardes nous voient en train de piquer la croix. C'est ça la solution? C'est dingue. On dirait que vous êtes jamais allé en prison. Si jamais vous voulez faire un sale coup en tôle, il faut attendre qu'il fasse noir. Ouais. Faut trouver le tableau électrique de ce manoir. Ventilation. Électricité. C'est là, regardez. Il nous suffit de grimper là-haut, de couper la lumière et de prendre la croix dans le noir. Il y aura forcément un générateur de secours. Ouais, ce qui veut dire qu'on n'aura que quelques secondes pour faire ce qu'on doit faire. Faudra donc qu'on soit juste à côté de la croix quand la lumière va s'éteindre. Sauf que si on s'approche trop près, on va se faire remarquer. Scusate, signore. Antipasti? Ça va, merci. Salut. Comment ça va? Ciao. T'arrêtes tes conneries? Un serveur s'est pas remarqué. T'as pas le nord. Ouais, ça devrait marcher. Il faut que ça marche. On fait ça. Alors, je vais jusqu'au disjoncteur pour couper le courant. Moi, je fais le serveur. T'es le meilleur pickpocket. Toi, tu descends et tu gardes un œil sur la croix, d'accord? Et fais-nous signe si tu vois quoi que ce soit d'inquiétant. T'inquiète, je le ferai. Écoutez, on a encore une chance d'y arriver. On y va? On y va. Allez, suivez-moi. On va couper par la cave. Ok les potos, donc nous par contre, on va s'arrêter ici, donc voilà, je sais que c'est en pleine mission, il ne faut pas que la vidéo dure trop longtemps, on va se couper ici nous, donc voilà, donc en tout cas j'espère que cette petite vidéo let's play vous aura plu encore, donc l'épisode 4, et la prochaine fois on va continuer, donc est-ce qu'on va réussir à voler le bijou qui est là-bas prêt à mettre à être mis aux enchères, excusez-moi. Donc, est-ce qu'on va y arriver? Vous pensez qu'on va y arriver ou pas? Si vous voulez voir ça, suivez le prochain épisode sur ma chaîne.
Voilà, donc en tout cas, si ça vous a plu, n'hésitez pas à partager la vidéo, à mettre un petit j'aime sur la vidéo, à vous abonner si vous n'êtes pas abonné. Et puis moi, je vous fais plein de bisous d'amour et rendez-vous au prochain épisode pour savoir si nous allons réussir à voler cette croix ou pas. Allez, ciao bye bye les amis, ciao.